Et le 15. C'était le dernier site à préparer, tu peux avertir Sion qu'on a fini? Alors d'abord, je suis pas ta secrétaire, et ça fait 1 mois et demi qu'on court partout. Il serait peut-être temps qu'on prenne un jour off. Gabriel avait raison. Sans nos limiteurs, c'est vraiment autre chose. Ça fait un sacré level up. Maintenant, est-ce que ça va faire la différence? Va savoir. Ça fait quoi maintenant? 2 mois qu'on a perdu la trace de Ballor et ses sbires? Dans ces eaux-là. C'est bizarre, hein? D'après toi, faudrait plutôt s'en réjouir ou au contraire baliser grave? Honnêtement, au point où on en est, je m'en fous. Depuis que les Templiers nous ont attaqués, on enchaîne les galères sans pouvoir respirer. D'abord on perd la maison, puis Shinji, puis Seth. Bon, c'était un connard, mais ça pique un peu. Et toi? Condamné à vivre le reste de tes jours dans la peau d'un clodo qu'on a ramassé dans je ne sais quel caniveau. Ça brûle un petit peu quand même. Quand même. J'en ai marre. Ma vie d'avant me manque. Moi aussi. Rémi, cette fois on pourrait bien ne pas s'en sortir. T'es gloomy là. Soyons réalistes, on passe peut-être nos derniers instants ensemble. Tu ne crois pas qu'on devra en profiter pour, je sais pas, les rendre vraiment importants? Tu te rends compte que si on perd, personne ne connaîtra jamais la fin. On a trop la pression. Dur. Jésus, mon sauveur, je te veux tout près de moi. Tu illumines mon cœur. Oh putain! Oh putain! Les mecs, on a un signal! On y est. Tout le travail que vous avez accompli, vous l'avez fait pour cette ultime épreuve. C'est le moment d'être à la hauteur. Allez-y doucement quand même. Alors ça mérite bien un 15. Yes! Quoi? Ah, je vous l'avais dit. Non mais c'est n'importe quoi. Ah bah ça c'est l'effet bœuf, hein. Je suis sûre qu'il n'y a pas plus de bouts de viande dans ce burger que de testicules dans ce type d'époque. N'empêche que c'est vachement bon, hein. 15,5. Après tous les traiteurs véganes qu'on vous a fait tester. Franchement. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du gras. Ces vêtements me serrent de plus en plus. Est-ce qu'ils rétrécissent? Accrochez-vous à cette idée. Bon alors, finalement, il était comment notre petit food trip? Très instructif. Attendez, vous voulez dire que l'idée pourrie d'époque vous a vraiment appris quelque chose? Et juste comme ça, quoi donc? Le gras, c'est la vie. Oh, et accessoirement, vu qu'on a visité dans les 83 nations, je suis désormais convaincu qu'on ne peut pas encore déterminer avec exactitude la nature de l'essence humaine. C'est QFD. Alors ça y est, vous avez votre réponse? Et elle ne vous paraît pas décevante? Concrètement, c'est le statu quo. Cela veut simplement dire que ni ange ni démon ne peuvent encore revendiquer le plan matériel comme leur. Si j'étais un être humain, je trouverais pas ça si mal en fait. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rien. Je vais vous dire ce qui va se passer. Vous disparaissez, sans laisser de traces. Il fallait bien que ça arrive. Tes potes à vous? Sacré voyage que vous avez entrepris. Ça fait 2 mois que vous avez disparu de nos radars. Vous nous aurez bien fait courir. Mais la traque s'arrête maintenant. Vous voulez qu'on vous en débarrasse? Votre persévérance est admirable mais irritante. Ulfgar a déjà dû vous le dire. Cette terre est sous la protection de l'ordre. Et votre existence même la menace. Mais c'est quoi cette fixation? Eh oh, on n'a rien fait de mal. Enfin, pas récemment. En mémoire des liens qui vous unissaient à ce réceptacle, voici une offre que je ne ferai pas 2 fois. Partez. Ne cherchez plus à me retrouver et nous en resterons là. Vous êtes en colère et à juste titre. Mais voyez la réalité en face. Quelle que soit la force de votre rancœur, vous ne pourrez jamais rien contre moi. Je rêve ou il vient juste de nous offrir une porte de sortie? Je l'attendais pas celle-là. C'est sans doute un piège. Ou alors Shinji est vraiment encore quelque part là-dedans. Alors, quelle est votre réponse? Ainsi soit-il. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent s'attendre à en payer le prix fort. Je suis le juge, et voici ma sentence. Patron, je briserai vos âmes à un millier de fragments et les jetterai dans le gouffre béant des limbes de l'oubli. On aurait dû rester poli. Préparez-vous à mon signal. Ouais. Patron. Mais si vous voulez, vous, la jouer destruction massive, nous on est plutôt pour, hein. Mais ça serait pas mieux de faire ça ailleurs? On est à moins de 5 km de Paris. Niveau nom d'intervention, il y a peut-être mieux que de vaporiser une capitale européenne. Mais à quoi il joue, bordel? Al, on a notre diversion. Vous marquez un point. Nous allons déplacer ça dans un endroit plus convenable. Ah non, pas ça! Mais ils sont où?